Bonjour, mes chers élèves de la classe de CP ou les autres classes, surtout les élèves qui trouvent un peu de difficulté en lisant les mots, les phrases et les textes. Voici des vidéos qui vont vous aider à améliorer votre capacité de lire et éviter n'importe quel problème dans la lecture. Allons-y, on va découvrir ensemble la vidéo d'aujourd'hui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء المستوى الأول ابتدائي وكذلك باقي المستويات خصوصا تلاميذ المتأخرين في النشاط الفرنسي الخاص بلا ليكتور. إذن أقدم لكم عدة فيديوهات في السلسلة من أجل التخلص بشكل نهائي والقضاء بشكل نهائي من مشاكل ديال لا ليكتور وقراءة بسهولة الكلمات والجمل والنصوص بالفرنسية. فيبنا نتعرف على فيديو هذا اليوم أيها التلاميذ الأعزاء. Mes chers élèves, je vous présente la première activité. Je cherche la syllabe qui manque. Je cherche la syllabe qui manque. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que vous avez une idée? Bien sûr, c'est marteau. Voilà. Alors là, c'est pas la syllabe qui manque, c'est marteau. Qu'est-ce qu'on dit ici? Moto. Très bien. Moto. Qu'est-ce qu'on dit? On dit moto. La syllabe qui manque, c'est to. Moto. La moto. Marteau. Moto. Qu'est-ce qu'on dit ici? Four. Très bien. Fourmi. Fourmi. Le marteau. La moto. Fourmi. Qu'est-ce que c'est? Lézard. Alors, la syllabe qui manque ici, c'est les. Qu'est-ce que c'est? On dit biberon. Très bien. Biberon. Alors, marteau. 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 Moto. Moto. Four. Fourmi. Les. Lézard, biberon. Voilà. Après, on va voir, je lis les mots. Allons-y. Je lis les mots. Je lis les mots. Papa. Papa. Po. 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 Ami. Ami. Papa. Po. Ami. Papa, po, ami. Papa, po, ami. Papa, po, ami. Papa, po, ami. An, an, école, 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 armoire. Armoire. Anne. École. 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 Armoire. Sac. Sac. Joli. Joli. Robe. Robe, sac, jolie robe, sac, jolie robe. Papa, beau ami. Anne, école, armoire, sac, jolie robe. Papa, beau ami. Anne, école, armoire, sac, jolie robe. Et je lis les phrases. Tout doucement. Le facteur. Le facteur
le facteur va à la poste. Le facteur va à la poste. Le facteur va à la poste. Le chat attaque la souris. 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 Adam revient de l'école. Adam revient de l'école. Le facteur va à la piste. Pardon, le facteur va à la poste. Le facteur va à la poste. Le chat attaque la souris. Le chat attaque la souris. Adam revient de l'école. Vous mettez une pause. Lisez ces phrases en coupant les mots aux syllabes. Voilà. Le facteur va à la poste. Le chat attaque la souris. Adam revient de l'école. Pardon. La moto roule vite. La moto roule vite. La moto roule vite. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Le renard mange du fromage. Le renard mange du fromage. La moto roule vite. La moto roule vite. La moto roule vite. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Le renard mange du fromage. Le renard mange du fromage. Mettez une pause, s'il vous plaît, et lisez les phrases. Le facteur va à la poste. Le chat attaque la souris. Adam revient de l'école. La moto roule vite. Les oiseaux chantent. Le renard mange du fromage. Alors, je m'excuse. Prenez votre cahier, écrit sur votre cahier ces phrases. Sophia. J'écris un petit peu. Voilà. Voilà. Sophia. J'écris Sophia. Écrivez s'il vous plaît sur votre cahier. Sophia va à la gare. Sophia va à la gare. C'est une écriture cursive, bien sûr. Sophia va à la gare. Jalel joue. Jalel joue dans le jardin. Sophia va à la gare. Jalel joue dans le jardin. Alors, c'est bien. On a déjà vu pas mal des activités pour aujourd'hui. Et on a commencé par la recherche de la syllabe qui manque. On dit marteau, moto, fourmi, lizard, biberon. On a lu les mots.
Papa pour ami. Papa pour ami. Anne, école armoire. Anne, école armoire. Sac, jolie robe. Sac, jolie robe. On a vu les phrases. Le facteur va à la poste. Le chat attaque la souris. Adam revient de l'école. La moto roule vite. Les oiseaux chantent. Le renard mange du fromage. Le facteur va à la poste. Le chat attaque la souris. Adam revient de l'école. La moto roule vite. Les oiseaux chantent et le renard mange du fromage. Et on a bien écrit sur nos cahiers, Sophia va à la gare. C'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par point. Jalal joue dans le jardin. C'est une phrase aussi qui commence par une majuscule et se termine par un point. On sait déjà que la phrase contient un sujet, c'est Sophia. Le verbe, c'est va. Et le complément, c'est à la gare. C'est la même chose ici. Jalal, c'est un sujet. Joue, c'est le verbe. Et dans le jardin, c'est un complément. Voilà, c'est tout pour le moment, mes chers élèves. Surtout de la classe de CE1 et aussi de la classe de CP. Et vous venez de lire les mots et aussi les phrases. Et vous venez d'écrire des phrases sur vos cahiers. Merci. À très bientôt.